Sur l'arbitrage le 8 janvier, après la défaite de son équipe face à Clermont, une déclaration qui pourrait lui valoir une sanction allant du blâme jusqu'à la radiation. La décision est attendue pour demain. L'affaire Boudjelal devant la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Le 8 janvier dernier, la défaite contre Clermont 25-19. Le président de Toulon dérape sur l'arbitrage. Une sortie condamnable sur la forme, graveleuse et incompatible avec les valeurs du rugby. Il y a évidemment des vraies questions qui se posent au niveau de l'arbitrage, mais on ne les règle pas en deux ou trois déclarations fracassantes. Je crois que ce n'est pas de cette façon-là qu'on fera progresser les choses. Il y a un problème qui est toujours latent sur l'arbitrage, comme il existe dans d'autres sports, et je pense qu'on doit améliorer l'arbitrage aussi dans le sport français. Est-ce que M. Boudjelal fait avancer le débat, justement ? Je pense qu'il peut le faire avancer, mais il y a des. Nous restons sur le problème de l'arbitrage. Le reste, je n'ai pas à en discuter. Selon Mourad Boudjelal, le monde de l'ovalie n'est plus en phase avec le professionnalisme. Il y a deux mondes qui se sont affrontés, deux conceptions des choses. On a parlé d'arbitrage. Les gens que j'ai rencontrés ont du mal à dire qu'il y a des problèmes d'arbitrage, mais bon, parle d'évolution, là où moi je parle de révolution. La commission rendra sa décision jeudi, la sanction peut aller du simple blâme à la radiation. Une douzaine de jeunes des missions locales de Lagarde et de Toulon se sont entraînés aujourd'hui sur le stade du RCT.